Histoire de faire une petite un petit break mental. Donc je vous laisse. Ça marche ou pas déjà? J'imagine que oui. Donc je voulais surtout revoir le puzzle. J'ai oublié comment on joue, j'ai oublié les touches. Ok. Je voulais surtout revoir les puzzles de merde là. Celui-là. Celui-là. Et le dernier, c'était celui qui est derrière là. L'autre derrière, l'autre côté. C'est-à-dire là-bas. C'est-à-dire... Non. C'est-à-dire là-bas. Non. Bon, je sais, je l'ai perdu. Voilà, je sais plus où il est. Ah oui, il y avait aussi ça là-haut que j'avais pas fini. Dis donc. Ce truc là. Ce truc que j'ai pas compris. Et ça, par contre, contrairement aux deux autres, on a peut-être moyen de comprendre comment ça marche. Parce qu'a priori, j'avais déjà. Il est allumé, hein, donc voilà. Il y a un deuxième câble qui part ici. Et qui va là-bas. Mais est-ce que ça veut dire que pour le finir, j'ai besoin de monter dans la tour du Death Star là? Ou je peux le. Ou est-ce que je peux le faire tout de suite et il va ouvrir une porte? Non. Si, il va ouvrir cette porte là. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas compris. Je sais qu'il y a un tracé déjà qui est clair et net, hein. C'est ça. Mais ensuite, j'avais déjà essayé de le faire en miroir de l'autre côté, ça marche pas. Quoi, pourquoi tu veux pas avancer là? Ok. C'était comme ça, hein? Non. Bah oui, de toute façon, je peux pas finir au milieu, donc. Et donc, si le miroir ne marche pas, je vois pas trop de. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que ça coupe? C'est pour être quoi l'indice exactement? Y a pas un petit branchage là ou un truc. Une ombre chinoise, un chant d'oiseau. Ce truc, enfin, ce motif là, il est exagérément long, donc moi je pensais que c'était vraiment un truc, un système de symétrie ou de miroir. Attends, mais maintenant que je dis ça, j'ai pas essayé la symétrie, mais. Mais je peux pas faire de symétrie vu que ça se finit dans le centre. Donc de toute façon. Non, je pense qu'il me manque une partie du truc, hein, tout simplement. Ouais. Peut-être quand j'aurais pu atteindre cette tour. Et cette tour, pourquoi je pouvais pas y monter? Qu'est-ce qui manquait déjà? Il me manquait cette porte ici qui est reliée. Qui est reliée à l'intérieur là. Ah oui, à ce truc. Mais pour faire ce truc, il me semble qu'il faudra que j'ouvre cette porte. Parce que là, concrètement, il n'y a pas d'indice, hein. On est d'accord? Je pense que ce sera une histoire de lumière qui viendra de la porte. Ça doit être ça. Et pour ouvrir cette porte. Aha! Les petits soleils. Et ça, on a eu beau chercher. On sait comment fonctionnent les soleils, mais le problème là, c'est qu'on a trois soleils violets impairs
3 soleils rouges impairs donc. Et les soleils ne fonctionnent que par paires. Et on a déjà essayé de remplacer une couleur par un mélange de deux couleurs. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on n'a pas essayé. Ah, j'aime bien tes petits emojis. On avait bien dit que les soleils peuvent cohabiter comme ça tant qu'ils sont pas de la même couleur, y a pas de souci. Là, le problème, c'est que je me retrouve avec trois rouges et un violet. J'ai beaucoup essayé de comprendre, je vois pas trop. Qu'est-ce qu'on avait essayé? On avait essayé le. De mettre un bleu et un rouge pour faire un violet, pour que ça fasse 4. Mais. De toute façon, on se retrouve avec un rouge isolé à la fin. On va prendre 2 minutes pour observer ce puzzle, réfléchir un peu. Et si on voit pas si on voit pas la lumière au bout du tunnel, on ira en voir un autre. Mais donc on a les rouges impairs, les violets impairs, en sachant que si on met un rouge et un violet ensemble, ça marche pas. Le reste, c'est pair, il n'y en a que deux. À part les blancs, il y en a quatre. Qu'est-ce que ça nous inspire? Est-ce que ce serait un truc à faire avec des blancs? Est-ce que les blancs auraient le pouvoir de remplacer n'importe quelle couleur? Ou est-ce qu'un blanc mixé avec une autre couleur, ça correspond? Bon, j'en sais rien. De toute façon, les blancs, ils sont tout en haut, donc c'est un peu chiant de les mixer avec autre chose. Déjà, je peux isoler ces deux-là. Non, parce que si c'était le cas, j'aurais juste à faire ça. Et ça marche pas. Donc ça, les blancs, c'est pas la solution, je pense. Est-ce que tu as une idée, Lola?
une idée que je n'aurais pas encore évoquée durant les 25 heures de stream précédentes. Une idée qui sort de l'ordinaire. J'ai quand même regardé. Bon, ce serait pas des soleils, hein, mais si c'était le cas, mais j'ai quand même regardé s'il n'y a pas un truc autour qui pourrait. Au niveau des couleurs surtout. Y a pas d'indice particulier, ou alors. Non. Ouais. Cette porte, attends. Ce que je trouve bizarre aussi, c'est que ces puzzles, ils me mettent jamais qu'il y a un problème. Enfin, quand je les valide et que c'est pas bon. Genre ça, si je fais Nawak, qu'est-ce que ça me met un problème? Plus ou moins. Bon, c'est pas un bon exemple vu qu'il y a que. Il y a qu'une source de problème. J'étais monté là. Ah, et c'était la cloche. Je crois qu'il y avait un téléphone aussi quelque part, mais. Ça m'apporte quoi d'être là? Ah ouais, j'avais validé ça déjà. Ouais. Ici, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de couleur. Et là, depuis la cloche. J'avais déjà utilisé ce téléphone, hein. Ouais, j'avais déjà utilisé. Non, je pense que. Je pense que ces puzzles se suffisent à eux-mêmes, hein. C'est juste que je comprends pas la logique du truc. Et c'est rageant parce qu'on connaît toutes les mécaniques du jeu a priori. Mais celui-là, c'était quoi le souci? C'était chiant ça aussi. Ah oui. Bah celui-là, j'ai passé tellement de temps déjà dessus que. Celui-là, c'est pareil, hein, on a essayé, mais. Donc je rappelle, les soleils ne peuvent être que par paire, donc il faut les isoler deux par deux. Et les formes de Tetris, là, elles sont inclinées parce qu'on peut les mettre dans toutes les positions. On peut les tourner, quoi. Et il faut les dessiner, enfin il faut que ça fasse, qu'elles soient comprises dans un ensemble délimité, quoi. Ce qui fait que. Si on les imbrique les unes les autres, ça fait des rectangles de 3 par 2. Ça fait donc deux rectangles et un petit trio de blocs. Donc deux rectangles. Là, j'aurais fait mes deux rectangles en haut. Il faut que je rajoute. Un trio comme ça. Là, concrètement, j'aurai tous mes. Et alors, celui-là, si je le valide comme ça me met une erreur ou pas? Non, même pas. Cela dit, cette forme que j'avais dessinée, là, je me souviens pas l'avoir essayée. C'était comment déjà? Comme ça? Ah oui, mais je pouvais pas. Je peux pas le faire. Rectangle, rectangle, ok.
pourquoi tu dis que j'étais bien parti? Est-ce que tu as commis le péché originel d'aller regarder une soluce ou quoi? Parce que sinon, on n'en sait rien. Ça se trouve, c'était pas du tout les mettre en bloc. Hein. Bah, c'était une idée, ouais, de les mettre en bloc parce que ça me semble plus simple. Après, est-ce que c'est la solution? J'en sais rien. S'il essaie déjà de dessiner mon Tetris là, ça pose un souci. Bah ça semble peut-être, ouais, ça semble être la solution la plus faisable quoi, les mettre en bloc. Enfin les assembler deux par deux. Les Tetris. Ce que j'ai pas essayé par contre c'est de me servir de peut-être d'une autre. Au lieu d'isoler les deux premiers soleils là, en passant au-dessus, peut-être les laisser libres comme ça. Réfléchis. Même temps, ceux-là, je pourrais pas les isoler du coup. Ou alors faut que je fasse un truc un peu bâtard. Genre. Un truc dégueulasse comme ça. Non, parce que je me retrouve toujours avec le même problème d'avoir des un saut. Ah, remarque. Non. Je peux pas les isoler par paire si je fais un truc comme ça. Mais je pense que la solution se trouve peut-être dans ouais, une variation comme ça, au lieu de toujours isoler les mêmes. Genre ça c'est tentant quoi, mais on a bien vu que ça marche pas. Donc il y a peut-être une... Attends, mais si je fais ça... Là, j'ai mon rectangle de 6 à droite, j'ai mon rectangle de 6 en haut à gauche et j'ai mon Tetris. Par contre, il y a un espace entre les deux soleils du milieu. Et je pense que c'est ça qui va m'empêcher de valider. Ouais. L'espace qui est là, elle me fait chier. Sinon, c'était bon.
sais pas ce que j'essaie de faire là, mais c'est bien dégueulasse en tout cas. Après, peut-être que les mettre en bloc, c'est justement pas la solution, hein. Pourquoi j'étais parti sur cette idée aussi? Ah oui, parce que je suis censé... Pour faire les formes, je suis censé les inclure dedans, donc vu qu'ils sont tous regroupés en haut là, si je veux faire mon tracé, je suis obligé de les prendre dans mes trucs, donc je peux en sortir un ou deux, mais sinon il faut qu'ils soient là-haut quoi. C'est pour ça que je suis parti sur mon idée de faire des rectangles. Voyons, si je fais... Là, j'ai 4 pièces de Tetris dessinées en haut. Où c'est que je peux caler ma dernière? Uniquement... Non mais c'est bon là. Je rêve ou c'est bon? J'ai mon rectangle de 6 en haut à gauche, rectangle de 6 à droite et le Tetris au milieu. Quoi? C'est pas bon? C'est quoi qui va pas? J'avais fait comment comme ça? Bah là, j'avoue, je comprends pas, ça devrait être bon là. Ou alors ça veut dire que les soleils sont comptabilisés comme des cases vides? Enfin les deux du milieu, ça veut dire qu'ils sont comptabilisés?
Parce que si c'est le cas,
Ouais. Ça donne rien sur ton papier. Ce que je peux faire aussi, c'est un rectangle de 6 ici, comme ça, enfin, je vais le dessiner. Un rectangle de 6 comme ça, plus un comme ça me permet de prendre toute la ligne du haut, donc tous les Tetris qui sont là. Ça fait qu'il me reste deux Tetris à placer plus bas. Et là, je peux peut-être les faire rentrer. En utilisant ces deux soleils. Ouais, c'est faisable, hein? Un truc comme ça. Rectangle de 6, 1. Attends. Non, il manque un bloc. C'était un jump scare. 6 plus un Tetris, deux Tetris, il manque un bloc. Peut-être ici. Si je fais ça. Mais non, il manque toujours un bloc que je pourrais placer là, cela dit. Ça. Là, on est bon, non? Ah, merci, Seigneur. T'as capté comment je l'ai fait? Parce que là, du coup, j'ai mon rectangle de 6 en haut là. Donc ça fait deux pièces de Tetris. J'en ai une ici, là, dessinée. Une autre ici, dessinée. Et la dernière en bas. Donc du coup, les soleils étaient bien comptabilisés comme des cases vides quand ils étaient dans la zone. Bon, j'espère au moins que ça va me débloquer la lumière. Qu'est-ce que j'accède à quoi du coup? Bon, mais ça fait un puzzle de prise de tête en moins. Ah oui, d'accord. Mais alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir ouvert ça? À la base, j'ai fait ça pour avoir la lumière qui venait sur le truc, non?
Ah, mais ça descend. Ah, des nouveaux puzzles. Bizarre cette pièce. Attends, dis-moi là, tu vois pas des points noirs sur le truc, hein? Parce que je sais que moi je les vois pas sur ma télé, donc pratique. Celui de gauche là, y a pas de points noirs? Quoi? J'ai raté. Comment tu veux que j'arrive à finir Meat Boy si je... D'accord, donc ça c'est le genre de truc qui marche tout le temps. Si j'arrive même pas à tracer un truc droit. Ok. Pas de point noir. En plus, je... A priori, je comprends pas trop ce que ça va m'apporter de faire ça. Je vois pas de câble qui repart ailleurs. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Faut aller dans le... par ordre croissant? Ça a changé ça, non? Ou peut-être pas en fait. Mais c'est cool ça, mais je, à la base, moi j'ai fait ça pour avoir la lumière. Je m'étais complètement planté ou quoi? C'était pas là, c'était pas en face de la porte. Ah non, c'était celle-là. Ah oui, c'était là. Merde. Bon, tant pis alors. Donc maintenant il faut essayer de comprendre à quoi sert. Qu'est-ce que ça fait le truc en bas là? Et surtout ce câble il va où? Si je fais Nawa, qu'est-ce que ça marche quand même? Non, d'accord. Donc j'avais bien fait la première fois. Hein. Pas à quoi ça sert. Ça a l'air de je sais pas, celui de droite, ça m'a l'air d'être ça. C'est tout con, mais quand je fais un autre truc, ça me marque une erreur. Et lui, bah, je sais pas. Je sais pas trop à quoi il correspond. Quand j'invalide un, ça reset l'autre. Et il n'y a aucune... Je sais pas si je suis censé allumer ce câble là.
J'en sais rien, j'ai pas l'impression. En général, quand un truc s'active, le câble devient lumineux, donc peut-être essayer d'aller voir l'extérieur, mais. Je vois même pas où il ressort en fait, donc je sais pas trop à quoi c'est associé. Attends, mais ça là. À quoi ça? Ça a bien un sens. Il n'y a pas d'autre endroit comme ça là. Non, toi je t'ai vu mon gars. Y en a un autre ici. Ah, c'est tellement sombre sur mon écran. Je vois pas. J'ai du mal à voir le truc, c'est peut-être plus clair sur le tien. Ah oui, d'accord, je crois que je vois à peu près. Ok. Encore un là? Non. Ah, il y en a encore un ici. J'y vois vraiment rien. Ah là je vois mieux, d'accord. Pourquoi ça passe pas là? Comme ça c'est mieux. Ok. Il en reste un là, non? Je sais pas. Ça j'ai fait. Il y en a un là aussi. Il y en a plein. Ah, j'ai déjà fait celui-là. Ok, je pense que j'ai fait le tour. C'était distrayant. Mais ça m'aide pas trop à avancer dans le jeu, quoi. Attends, me dis pas que ça a un rapport avec les soleils quand même.
Parce que à quoi ça pourrait servir sinon? Suis en train de me dire, je vois bien. Pour celui-là, là, je vois bien, je sais pas pourquoi, un système où si je regarde à travers autre chose, je pourrais voir des couleurs différentes peut-être. Mais je vois pas trop à travers quoi je pourrais regarder. C'est comme les espèces de feuilles de calque là, qui font apparaître d'autres couleurs quand tu regardes à travers. Est-ce que le soleil est en face là? Non, il est même pas en face. Ah mais oui, ça va m'aider après, je pense, quand j'aurai ouvert la porte, je pourrais faire le tracé sur le truc de derrière. Qui est là. Même si concrètement je pourrais le faire déjà, hein, je pense. En imaginant où ça va tomber. Mais bon. Cette histoire de couleur là, je vois pas, y a pas de truc dans les alentours qui me permettrait de changer les couleurs de ça ou de les voir différemment. Donc peut-être que c'est juste une question de logique. Ouais. Parce que bon, autant l'autre qu'on vient de faire là, je voyais que, enfin, c'était un truc qu'on connaissait quoi, il y avait pas d'embrouille. C'est juste que j'avais pas pigé la forme à faire. Mais là, j'avoue qu'il y a cette histoire de soleil impair et le fait qu'il y a une multitude de couleurs, donc à mon avis, c'est un but quoi. Si je m'approche très très près, peut-être que ça va changer. Sinon, il y avait encore l'autre. Hein. Si j'arrive à le retrouver un jour. Il était où? Et cette pièce bleue là, d'ailleurs, j'ai pas encore. Il y avait rien dedans. Je me souviens pas avoir fait quoi que ce soit dans cet endroit. Ou avoir pigé quel était son intérêt. Il y a un truc sur le toit. Je l'avais ouvert ça. Est-ce que je l'avais ouvert ou je suis censé le fermer? J'ai un doute. Je me souviens pas. Il y a cette plateforme au-dessus qui doit pouvoir bouger, j'imagine. Enfin bref,
Et l'autre, je l'ai toujours pas retrouvé, hein, l'autre puzzle. Ça, je l'avais fait. Non, c'est celui qui me manque. Il est où l'autre? J'étais persuadé que c'était derrière là. Ah, il est là, ok. Ouais, donc c'est celui-là, donc. Pourtant, vu le paquet de d'écran qui est à droite, j'ai bien l'impression que c'est un tutoriel, hein, celui-là. Ou en tout cas pour m'expliquer un truc. Je crois qu'il marquait pas d'erreur non plus. Non, il marquait pas d'erreur. Celui-là aussi, si t'as une nouvelle idée, vas-y. Avant d'aller dormir. Y a moyen de quoi? Que t'aies une nouvelle idée? Ouais, j'avoue que moi aussi un petit peu. J'essaie juste quelques trucs et puis non, on avait déjà plus ou moins établi que c'était pas possible de toute façon de passer sur tous les points noirs tout en faisant la pièce. C'était pas possible. Non, de toute façon, on se retrouve bloqué à un moment ou à un autre. Bah écoute, au moins c'est cool, on en a réussi un nouveau, hein. Petit à petit, dans 50 ans, on aura terminé le jeu.
Non, mais bon, celui-là, de toute façon, on avait, celui que j'ai fait, on avait compris le concept, hein. C'était juste une histoire de d'y passer du temps et de chercher comment faire. C'est pas comme celui-là, là, où on sait pas du tout ce qu'il faut faire, quoi. Eh mais attends. Ok. Bon. Ben en fait c'était bien ça. On avait toutes les mécaniques, c'est juste qu'il fallait trouver le bon truc quoi. C'est moins rageant du coup. Même si c'est compliqué. Bon ben c'est cool, je continuerai demain, maintenant que je sais. Enfin demain. Il y aura Meat Boy avant à faire. Donc ça fait deux puzzles qu'on a réussi à résoudre. Et moi je suis surtout intrigué par l'autre, hein. Par les soleils. Alors c'est peut-être la même chose, hein. Peut-être qu'on a toutes les clés et qu'on n'a pas pigé. Me dis pas que tu t'es endormi juste quand j'ai réussi quand même. Ça me mettrait le seum, comme on dit. Que tu n'aies pas vu cet exploit. Et là-haut, il y avait quoi déjà? Que dalle, hein? Ouais, que dalle. Bon, il y aura ça à continuer. Il y aura les deux puzzles en bas, on sait pas à quoi ça sert. Et celui-là, hein, du coup, c'est le dernier qui nous pose vraiment souci, celui-là. Le petit coquinou sur lequel je veux bien passer encore un peu de temps, mais j'avoue que la solution n'est pas évidente. Et j'ai surtout peur qu'il me manque une info quelque part. On verra. Mais en tout cas, je te laisse aller dormir et puis je sais pas, fais de beaux rêves. Et la prochaine fois, je continue Meat Boy. Il faut que je fasse un A+ et que je fasse Cotton Alley Dark. Ça promet des heures de fou rire et de bonne ambiance. Allez, bonne nuit!